Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge où l'hiver arrive peu à peu sur Windenburg et sur la maison de nos petits bourgeois où on va les retrouver avec normalement la petite dernière Isobel qui devrait grandir incessamment sous peu. La voix. Oh, la voilà qui pop. Oh non, c'est encore une brune. Oh non, c'est encore une brune. Oh non, c'est encore une brune. Elle est exactement pareille que ses frères et sœurs brunes aux yeux bleus de papa. J'ai un problème sur mes Sims ou comment ça se passe là? Pourquoi ils naissent complètement pareils? Je dis pas, elle est mignonne, hein. Mais non, quoi. Non, je suis pas d'accord. Isobel a vieilli, elle sera 1, 2 et 3. Pot de colle, super. Eh ben, on est ravis, Isobel. Bienvenue chez les bourgeois. Oh, tu vas pas... Non. Oh mon dieu, tu vas pas commencer. Tu vas déambuler pour commencer et ce sera bien. Oui, c'est exactement ça. C'est Noël aujourd'hui. Et puis, ça va être bientôt l'anniversaire de Percy. Ah bah, c'est pour des jumelles pour rien, celle-ci. Vous vous réveillez déjà toute contente. Bah, toi, tu vas aller faire tes petites affaires. Et toi, bah, écoute, t'es sage. Alors, elles sont contentes parce qu'effectivement, j'ai un peu décoré la maison. Mais vraiment très peu. Ici, nous avons un sapin à l'extérieur et à l'intérieur, j'ai mis quelques petites guirlandes. Voilà, c'est mignon, c'est festif, quoi. C'est Noël. Voilà. Voilà qui je croise dans la rue. Est-ce que vous le reconnaîtriez? Bon, je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà vu dans le challenge auparavant. Et c'est le fils aîné de Frénégonde et son mari Thomas. Et oui. Et les factures sont arrivées. 1184 Simflouz. Et ben c'est notre ami qui va s'en occuper quand il va rentrer. Pour l'instant, ben, il se balade dans les fougères. Elle nous fait un show là, Deli, avec ses coutales. T'as ton gosse derrière, faudrait pas que tu l'embroches sans faire exprès, hein, ma cocotte. Après de nombreux efforts, la petite descend enfin les escaliers toute seule. On va pouvoir la nourrir tranquillement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner à manger? Bon, regarde, voilà, il y a du poisson ici. Voilà, deux plats de poisson. Serre-toi, ma petite. C'est offert par la maison. Oh, bah dis donc. Mais il a vachement bien pêché, hein, Gaspard. Oh, ça va nous faire de pas mal de thunes. Enfin, de thunes. Non, pas du tout. Parce que les poissons, on peut pas les vendre. Mais beaucoup de poissons pour faire des bons petits plats, quoi. Ça, c'est cool. Encore ce magnifique coucher de soleil, hein. C'est super beau avec les couleurs froides de l'hiver, là. C'est magnifique ici, c'est vraiment magnifique. Et je me rends compte que j'ai oublié de décorer le sapin, c'est le soir quand même, c'est Noël. Donc il va falloir. Bon, Gaspard, il a pas le temps. Hein. Mais il a raison, parce que là, Noël ça va être fini et on n'aura même pas fait le sapin, quoi. Donc il commence à le décorer. Et ça l'éclate. Et la petite derrière là. Bon, bien sûr, elle n'a pas encore été relookée, hein, mais elle le sera. Et elle regarde ce qui se passe. Ah non, voilà le reste de la famille. Oh. Oh bah Deli, t'es en l'air en pleine forme, ma cocotte. Oh, ils sont en train de faire le sapin. C'est trop cute. Ils sont là en train de faire leur petit sapin. C'est trop cute. Oh. En famille, quoi. C'est mignon comme tout. Waouh. Il brille de mille feux. C'est magnifique. Ta gueule. Juste ferme ta gueule. Ah, les filles, elles apprennent le trait responsable avant de se faire des grimaces, c'est ça. Allez, vous pouvez passer des tas de cadeaux sous le sapin. On verra si ils seront utiles, ces fameux cadeaux. Hein, parce que la plupart du temps, je suis pas sûre si dans l'ordre des dits, ça pourra nous rapporter quelque chose de bien. Allez, fais un petit bisou à ta femme. Hein. Oui, faire un bébé. J'avoue que peut-être il reste de la place un peu dans la maison, on a un beau budget. Ah bah dis donc, le jeu il veut vraiment que j'en fasse un, hein. C'est pas possible là. Hein. Adélie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle agresse son mec. Mais t'es pas possible, t'es pas sortable. Ah non là. Alors qu'ils étaient en train de faire des mamours juste avant, mais dis donc, mais franchement, la fessée. Hein. Ah ça y est. Il lui offre un petit cadal. Un
Noël. Oh, quel cadeau. Peau de miel qu'il avait récupéré, bien sûr, chez la famille d'Adélie. They miss the lies. Oh, c'est mignon. Un petit dîner. Un petit dîner en famille. Pour ce soir de Noël. Et après, bon, pourquoi pas ouvrir les cadeaux, tout simplement, parce qu'ils sont dans le jardin. Allez, c'est l'heure d'ouvrir les petits cadeaux, ouais, ouais, en famille, en famille. Ben, ils le font pas? Ah si, ça y est. Ah! Alors, oh, Blanche a reçu un violon. Oh la vache, mais c'est pas maintenant qu'ils ont droit. Un bloc de couteau. Bah Adélie, t'es tellement forte en cuisine. Voilà, elle est contente. Non mais c'est pas mal, pour l'instant les cadeaux peuvent coller. Une théière ancienne. Waouh, Gaspard, il en pleure de rire tellement il est heureux. Et donc, voilà, Colombe, il te reste ton cadal. Un modèle réduit de camionnette braquage à la banane. Ouais, ah bah c'est bien peut-être le pire des cadeaux ever. Oh, qui sont beaux. Bon, vous allez me trouver folle, hein, mais ouais. Je tiens à voir au moins blond dans cette génération, quoi. C'est un peu triste, on a déjà fait toute la génération d'avant en pur brun. Heureusement, la génération fermier était moitié rousse, moitié brune. Mais là, on est en full brun, quoi. Ça ne va pas. Je veux un bébé blond. Allez, les enfants, faites-moi un beau bébé blond. Ou une bébé blonde, ça me va aussi. Oh, c'est le retour du monstre sous le lit. Celui que j'aime tant. Ouais, alors, attends, papa est parti. Non, ne réveille pas maman. Ah, puis l'autre, elle est malade maintenant. Super, t'as le Covid, ma cocotte. Faudra, tant pis, hein, tu sortiras plus de ta chambre. Mais elle me tue, elle a réussi à communiquer avec lui. Elle lui demande plein de trucs en plus, elle peut lui même lui demander de partir. Tiens, tu vas vaporiser sous ce lit-là, du coup. Tu l'as convaincu de partir, ton monstre? C'est incroyable. Hop, et tu vas vaporiser là aussi. Normalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Elle a trop peur quand même, hein. C'est pas grave, tu feras une sieste, cocotte. Comme ça, les monstres y reviendront plus. Bon, ben, sachez-le, mais... Adélie est de nouveau enceinte. Ça marche bien, hein. Gaspard, il vise bien à chaque fois, hein. C'est pas grave, on va s'en assurer que ce soit bien implanté. Avec un nouveau petit crac-crac des amoureux. Non mais regardez-moi ça, Adélie, elle prend son bain dans la chambre. Et lui, il est là. Oh mon Dieu, ma femme nue dans l'eau. Je suis choquée. N'importe quoi. Oh, les gosses, j'en ai marre. Mais ils font que ça, les deux, là. J'arrive plus à les gérer. Discipliner, sévère, hurler. Allez, il n'y en a pas une pour attraper l'autre, de toute façon. Allez, le bain de Perceval est fait. Tu vas donner un bain de mousse à Isobel, maintenant. Et puis, il va falloir faire une lessive, après. Oh, ma pauvre, en plus, elle doit pisser. Oh, no. Ben voilà, ça, c'est l'image du chaos. Je surveille pas 3 secondes. Il donne un bain à la petite. Lui derrière, il fait les conneries. Ah, oh, purée, j'en peux plus. Il y a... Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Isobel? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Maman, donne un bain de mousse à ta fille. Et puis après, je vais aller la rebooker, c'est plus possible. Et voilà à quoi ressemble Isobel. Sans ses vêtements modernes et ses lunettes et ses chapeaux. Donc bon, bah, hein, sans surprise, brune aux yeux bleus, comme les autres. Et c'est la corvée de lessive pour Adélie. Les filles font leur devoir. Faut quand même qu'elles s'instruisent, qu'elles aient un minimum d'intelligence, hein, pour pouvoir les caser avec d'autres bourgeois, voire des nobles. On verra ça. Adélie trouve quand même un peu le temps de se détendre en faisant un peu de peinture. Entre 2 tâches ménagères. C'est joli ce que tu nous fais, Adélie. J'aime bien la petite nature morte des fruits, là. Ah ouais, je trouve vraiment sympa. Allez, les enfants vont encore ouvrir leur cadal. Elle est déjà au lit. Oh,
Ah, vous me direz, comme ça, il n'y aura pas de monstre, peut-être, mais bon. C'est tôt, quand même. Allez, les bambins ou des cadeaux. Un morceau d'argile pour Isobel. Mais c'est super. Surtout qu'à son âge, elle peut pas faire un petit train-wagon de marchandises. C'est trop chou. Ils aiment bien, les petits. Ah, mais ouais, elle peut pas y jouer encore. Et lui? Et lui, bah, ça doit être dans l'inventaire de famille. Mais c'est rigolo. C'est marrant. J'avais jamais fait ouvrir de cadeau de Noël aux bambins, parce que je croyais qu'ils étaient trop petits. Mais bon, allez, Adélie, tu vas pouvoir aller dîner un petit peu. Bon, la grossesse d'Adélie n'a pas encore été officialisée. C'est pour ça que je leur permets. Et puis, de toute façon, même si elle était officialisée, ils feraient quand même crac-crac. Hein. Ils en profitent avant qu'ils aient plus le droit du tout. Parce que je pense que là, ce sera la dernière grossesse. Et allez, à Jacques Taès, hein, si j'ai envie de dire. Blond pain, ce sera le dernier, c'est sûr. Pourquoi tu te lèves? Ah, bah va aux toilettes. Vas-y, avant que tu te fasses dessus. Parce que là, t'as du parcours depuis chez toi, hein, depuis ta chambre. De justesse, on a attrapé la petite pour pas qu'elle aille réveiller son papa. Faire une petite histoire pendant qu'elle, pour qu'elle puisse dormir tranquillement. Ah bah voilà, elle s'est endormie. Quoi? Mais t'es pas malade? Bah elle va aller vomir maintenant. Oh non! Tu vas tout salir! Oh là 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 là. Ouais bah. Super. Ah bah tu peux nettoyer maintenant. Hein. Tu peux essuyer, sponger, tout ça. Et puis tu retourneras au lit? Oupsie! L'anniversaire de Perceval se passe à 6h du matin! Je pensais que j'avais encore un peu de temps pour lui faire son anniversaire. I'm sorry. On va lui faire... Non, bah écoutez, c'est un garçon. On va dire qu'il est turbulent. Hein. Et son premier trait sera 1, 2, 3. Bah il s'entendra bien avec Colombe. Hein? Crasse le petit crasse. Oh là là. Oh, il est mignon. Il ressemble à sa mère. C'est un truc de dingue. Voilà, il a les cheveux longs et tout, mais il est chouchou. Bon, le t-shirt de foot... C'est pas trop d'époque. Mais il est cute, ça va, il est mignon, ça va. Adélie, va falloir que tu te lèves pour donner le... Puis ajouter de la glace. Parce que les gosses là... Non, 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 tu vas pas prendre de verre d'eau. Oh là là, ça va commencer. Parce que les gamines, elles ont plus rien à manger. Enfin, il y a plus personne à des trucs à manger, donc ça craint. Tu vas nous faire... bonne salade de fruits là pour tout le monde et puis ça devrait aller. Bon bah Adélie est bien enceinte, ça n'a pas fait les petits confettis, donc elle va l'annoncer à ses enfants maintenant. Il y en a certains qui vont mal le prendre, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh mais j'en ai marre de ces gosses, ils sont insupportables. Oh. Purée, mais c'est reparti pour un tour! Oh! Tu me nettoies ça! Oh, j'en ai marre de ces gosses. Je vais les emplâtrer. Hein. Ils vont finir emmurés hein, là-dedans. Hein. Dans quelques centaines d'années, quand il y a des gens qui vont refaire des travaux dans cette vieille maison, ils retrouveront la gamine emmurée dedans, c'est possible. Et voilà à quoi ressemble Perceval maintenant qu'il a été relooké. Il a vraiment une super mignonne bouille. Moi, j'aime bien. Et c'est pour ça que je trouve que... Ouais! Il ressemble à sa mère. Et avec les yeux de son papa, j'avoue. Et il est très mignon quand même. Il a fait un super joli portrait, Gaspard, là. Vraiment super sympa. Pendant ce temps-là, on éduque notre fils. Regardez, j'ai l'impression de voir Adélie, mais en garçon. Oh punaise, et les deux autres, là. Oh, j'en ai marre! Rééducation, discipliné, sévère, hurler. Zut de flûte, c'est aussi l'anniversaire de Gaspard. Merde! Il va falloir... je crois qu'ils ont bouffé le gâtal qu'on avait. Il va falloir recommencer. Oh, regardez comme il est tout beau. Il va devenir adulte. Oh là là, je suis pas prête. On a préparé le gâtal. Et puis, ben écoutez, on attend que les invités arrivent tout doucement. Et voilà, les premiers invités. Coucou Lali, comment vas-tu? Tu fonces directement sur les trucs, toi.
Oh, Frénégonde, coucou, comment vas-tu? Bah ça, ouf. Les filles, elles se sont dit, nous on vient juste pour jouer, quoi. Zut. Ah, Pierre Narella, yes. Qui c'est celle-là? Manon Flaubert. Bah c'est super, j'avoue que. Oh tiens, ça c'est sa sœur. C'est le bordel. Ils vont n'importe où sauf l'endroit où il faut. Oh! Pierre Nard qui joue du violon. Oh, ça fait plaisir. Comment? Ah bah elle s'est carrément tapée. Là, sa meilleure baignoire, son meilleur bain dans notre chambre, quoi. Complètement d'accord. Ouais, trop bien, c'est bien. Là, Adélie, elle annonce un peu à ses sœurs qu'elle est encore enceinte. Ah, et à son frère aussi, tant qu'à faire, hein. Coucou, le voleur de fleurs, comment vas-tu? En tout cas, ça fait plaisir de voir tout le monde. Et puis, ben, Gaspard va pouvoir fêter son anniversaire et souffler ses bougies, hein, sans être triste. Et alors, la belle blonde que l'on voit là, c'est une des filles de Tancrède et Iseult. Et ouais, j'aurais pas pensé que le mélange aurait été aussi joli. Allez, c'est parti, Happy Birthday, Gaspard! Déjà! Déjà, Gaspard en adulte! C'est la fête. Ouais. Vas-y, ouais, appelle à table, là. C'est gâteau aux fraises pour tout le monde, les enfants! Régalez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Moi, ce que je constate, c'est que du gâteau, il y en a plus, mais il reste quand même de la salade. Hein. On voit les goinfres. Hein. J'ai bien fait d'ajouter un peu de chaise quand même, là, parce que vu le monde qu'il y a. Ah, oh, et puis ça fera de la vaisselle pour les filles. Ouais, bah toi, va te coucher, t'as raison, t'es fatiguée. La deuxième, elle est partie, enfin Blanche, elle est partie bien plus vite au lit. Elle avait peur de se taper la vaisselle. Oh, tu te sens un peu fatiguée, ma cocotte. Ouais, il est minuit en plus, ouais. T'es enceinte. Tu peux nettoyer quelques assiettes? Si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave. Bon, elle préfère danser. Ok, tout est normal. Oh, regardez le troupeau. Le troupeau qui s'en va. Ils sont pressés de partir tous ensemble. Oh là la vache. Bon, ben, c'était sympa d'être venu, hein. À bientôt. Allez, le monstre, le retour. Allez, va parler au monstre. Voilà, vous restez zen. Vous leur demandez des trucs au monstre, là. Et comment il va bien, le monstre? Comment ça se passe, sa vie, tout? Ah, bah, elle a réussi à lui parler? Bah, écoutez. Je sais pas, mais en tout cas, elles vont se donner des paroles d'encouragement l'une l'autre, les filles. Du coup, le petit aussi, là, le petit Perceval, il a aussi son lit. J'ai peur, hein. Allez, c'est sur ce petit crac-crac avec le petit bidou, le dernier bidou, j'espère, d'Adélie que nous allons nous quitter maintenant. Donc n'hésitez pas comme d'hab, hein, pour les rythmes YouTube, c'est toujours super de commenter. Donc n'hésitez pas à commenter cet épisode, à le liker pour mon plaisir et à le partager pour me soutenir. On verra bien dans le prochain épisode si le prochain bébé pourra nous satisfaire en termes de diversité des cheveux. Allez, moi je vous fais de très gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.